Il est né cette nuit, celui-là, d'une jeune mère. Son premier agnelage, il a fallu que je l'aide parce qu'il est un peu gros. Pierre Smessart compte les agneaux. Depuis le 10 décembre, 500 naissances dans son élevage de moutons Suffolk. Sa mère le réclame. Comme son nom l'indique, cette race vient d'Angleterre. Par rapport aux Anglais, on a travaillé la qualité viande, croissance de l'animal. Donc on a des animaux qui poussent très vite. On arrive des fois à avoir des agneaux à 70 jours qui font déjà 40 kilos. Il a déjà été à Paris l'année dernière. Donc on commence à être habitué à... Tous les ans, depuis 1992, Pierre participe au salon de l'agriculture. Cette année, il présente 2 brebis et 4 béliers. Ils sont tondus depuis un mois ou deux, étoilettés pour l'événement. Ils seront jugés sur leur conformation, sur la qualité de leur viande, mais pas seulement. Ils seront jugés aussi au niveau de la laine. Un expert lainier qui va prendre des brins de laine et regarder la qualité de laine. Et donc, il y aura aussi des prix sur la laine. C'est une question de principe. Pierre ne manquerait le salon pour rien au monde. Puisqu'on est sélectionneur, donc après, on vend beaucoup de mâles et de femelles pour la reproduction, sur toute la France et même à l'étranger. Donc, bien entendu, il faut continuer à se faire connaître. Puis bon, après aussi, pour se comparer par rapport aux autres éleveurs. Essayer d'être toujours performant. Et tous les ans, les Suffolk de Pierre reviennent de Paris couverts de récompenses. Un dernier tour dans l'herbe avant le départ. Et en route vers l'aventure.